Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Une défense à 5 et un seul attaquant. Voici comment devrait évoluer l'équipe. Bon, c'est rare de voir une équipe alignée, une défense aussi renforcée. Mais à mon avis, ça pourrait cacher autre chose. Je pense que les deux latéraux, par exemple, seront assez offensifs et qu'ils tenteront de participer aux attaques dès que possible, en venant apporter des solutions sur les ailes. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren? Peut-être Jordi Alba. Il est rapide comme le vent, alors forcément son équipe le pousse à monter et il le fait bien. C'est vrai que c'est un excellent défenseur. Jordi Alba. Isco qui a de l'espace. Pablo Sarabia. Oh, quel caviar! L'Espagne qui récupère ce ballon. L'Espagne qui s'était imposée lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire. Quelle détente! But! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Ils ont complètement déboussolé leurs adversaires avec ce 1-2. Une magnifique action collective. Rodrigo, qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Pour Pablo Sarabia. Thiago qui veut se projeter. La passe dans la profondeur. Et c'est intercepté. Ce sera le premier corner du match. Oh, il a complètement mis le tir. Sauvé par le poteau. Oh oui. Ils sont vraiment entrés dans ce match de la meilleure des manières possibles. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. Isco qui inscrit là son premier but de la saison. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Il est bien placé. Il peut tirer. Allez, c'est dangereux. Il y a danger. Oh, c'est chaud. Ce ballon devant le but. C'est un corner, peut-être une occasion. La frappe, il joue en retrait. L'ouverture sur le côté.
On joue sur l'aile, il est servi. Il tente le centre. La tentative. Quelle parade de Derrea. Et il repique au centre. Isco. Et le cadre se dérobe largement. C'était une frappe tonitruante. Ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir. Peut-être une occasion pour Rodrigo, qui est le premier sur ce ballon. Il n'était visiblement pas sur la même longueur d'onde que son coéquipier. Rodrigo. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. Thiago. Saoul. Sarabia. Thiago. Jordi Alba. Oh, voici Isco. C'est reparti, ils peuvent contrer. Un ballon intéressant. Ça manque de précision, dommage. Pour Pablo Sarabia. C'est bien donné. Le gardien dégage, loin. Jordi Alba. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Il va au duel. Piqué. Cette possession un peu stérile. Encore un quart d'heure avant la pause. Ça va sur l'aile. Saoul. Isco, qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Oh, la frappe! Oh, c'est un arrêt important, ça! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Ah, pas d'angoisse, encore un ballon récupéré. Il écarte sur l'aile. Il reçoit le ballon. Le centre de Pablo Sarabia. Il multiplie vraiment les interceptions. Ça défend très bien. Dans la profondeur. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il va falloir être précis. Rodrigo. La parade magnifique. Une parade magnifique. Et voilà une façon de faire briller le gardien. C'est joué long. C'est un peu brouillon. En retrait pour repartir proprement. Long ballon dans le sens du jeu. Il joue en profondeur. Oh, bonne lecture, intercepté. Thiago. Saoul. Elle ne résiste pas au contact. Il tente de la jouer dans l'espace. En retrait vers son gardien. Il choisit la profondeur. Oh, il espérait ce ballon. La longue passe, il peut en profiter. Il est côté droit, il y a un truc à faire. La profondeur, bien vu.
Bien joué ça. Dans la boîte. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Isco. Jordi Alba. Thiago. Thiago. La relance côté droit. La longue passe. Bonne intervention. Et encore une fois, ils sont solides. Pablo Sarabia. Ça joue long vers l'avant. Un long ballon vers l'avant. Bonne lecture de la trajectoire. Rodrigo. Le ballon dans la profondeur. Pablo Sarabia. Saoul. Il déclenche son centre. Ça. C'est directement pour le gardien. Tant qu'on le garde au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Rodrigo, qui choisit de jouer en retrait. Pour Pablo Sarabia, il file côté droit. Oh, quel geste! La longue passe. Ce contre peut très bien aller au bout. Un très long ballon. Oh, s'il réussit son contrôle. C'est un ballon offert à l'adversaire. Ça peut être extrêmement dangereux. Un ballon intéressant. Le bon centre. Il la repousse. On peut y aller. C'est donc un changement. C'est sans doute un bon choix de l'entraîneur qui préfère lui éviter de recevoir un nouveau carton. L'arbitre a sifflé, faute. Il s'en sort bien sur ce coup-là, mais la prochaine fois, l'arbitre sortira le carton. Se prendre un carton alors qu'il reste autant de temps de jeu, ce serait vraiment dommage. Sarabia, Thiago, Jordi Alba. Ça, c'est une interception parfaite. La passe dans la profondeur. Danger repoussé pour le moment. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Touche. Saoul, c'est centré dans l'axe. Des deux points. Il décide d'allonger le jeu. Il était bien présent. Oh,
Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Ça joue long. Ils sont décidément très solides dans cette zone. Jordi Alba. Saoul. Il y a danger. Morata. Et il dégage. Saoul. Il n'arrive pas à tirer. Le gros dégagement. Isco. Thiago. Il reste 10 minutes dans cette rencontre. Et le raid côté droit, il a du soutien. Le centre dévié par le défenseur, ce sera un corner. L'Espagne qui utilise les forces de son effectif. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. C'est pour lui, attention. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Sergio Ramos. L'Espagne qui mène toujours 2-0. On voit mal maintenant la victoire lui échapper. Thiago. Ça passera sur le côté. Le centre de Pablo. Il met la tête. Encore un but. 3 buts d'avance. L'affaire semble être pliée maintenant. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. Morata, qui en est désormais à 3 buts dans ce championnat. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. La passe en retrait vers son défenseur. Attention là. Quelle séquence de passe. Collectivement, c'est parfait. Il cherche la profondeur. Bonne interception. Il y avait danger. Il préfère jouer avec son gardien. Le gardien loin devant. Et il jaillit pour prendre ce ballon. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Et il perd l'équilibre. Il frappe. Et ça se joue à rien. Essayez de s'appliquer sur ces corners. La tête. Bien, bonne intervention. Il cherche un coéquipier. Et jusqu'au bout. Il le retrouve. Et le casse. Isco. Et il est là, le gardien. Et c'est le coup de sifflet. Finale dans un stade qui gronde, qui trépigne. Ils ont totalement dominé la situation aujourd'hui. Et pendant de longues périodes dans cette rencontre, c'est normal qu'ils aient gagné à l'arrivée. Alors dites-moi, dites-nous Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Mais quelle démonstration de la défense. Ils ont respecté les consignes en restant bien haut. C'est comme ça qu'on obtient une clean sheet, comme on dit chez moi, et qu'on lance ses attaquants.
On n'a pas envie de rendre l'antenne d'Arène, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut. Oh, vous savez, j'y prends toujours autant de plaisir.